c'est Maya. Aujourd'hui, on va faire tiramisu au matcha. Tiramisu, c'est un gâteau italien, mais je vais en placer le café pas du matcha. Matcha, c'est un verre japonais en poudre. Pour un plat de cette taille, il faudra 15 g de matcha, 200 ml de l'eau chaude, 250 g de mascarpone, 3 œufs, 200 ml de crème entière, 60 g de sucre, 2 cuillères à café de rhum, mais ce n'est pas obligatoire. 15 à 20 biscuits par étage. Je vais voir si on peut faire 2 étages. Allez, on attaque. Normalement, pour le matcha, il faut que l'eau soit à 80 degrés. Je n'ai pas de thermomètre, mais j'ai une astuce. Quand on verse de l'eau bouillante dans un récipient, ça perd 10 degrés. Donc, une fois 90 degrés et deux fois 80 degrés. Faites fondre le matcha. J'utilise un fouet à matcha, mais vous pouvez utiliser un petit fouet normal. Ajouter du cuillère à café du rhum. Délayer complètement. Séparer le blanc des jaunes d'œufs. Ajouter une partie de sucre avec les jaunes. Je garde le reste pour monter les boulons en neige. Fouettez à l'aide d'un batteur jusqu'à obtenir un mélange aérien. Ajoutez la mascarpone. Et mélanger pour avoir un mélange homogène. Fouettez la crème. Montez les boulons de neige. Je vais mélanger tout maintenant. Trempez les biscuits dans le matcha.
et déposée au fond du plat. Verser la moitié du mélange de crème de mascarpone. Étalez bien. Rajoutez des biscuits. Ajoutez la fin de crème. Étalez bien. Et maintenant, je vais mettre dans le frigo pendant 2 heures. Maintenant, je vais essayer de servir une part. Ça y est, c'est fini. Ça a l'air très bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. よかったらチャンネル登録してね。